Et si les plaisirs de la glace n'étaient plus réservés aux seuls valides? C'est ce que rend possible une invention qui devrait être commercialisée dans le courant de l'année, la Handiluge, une invention d'un chercheur de l'université de technologie de Troyes. Le principe est simple, un siège est monté sur des lames plus ou moins similaires à celles des patins à glace, avec un système de suspension permettant au siège de s'incliner et de tourner. La luge devrait s'adapter à beaucoup de handicaps. Il faut avoir l'usage de ses bras. Des personnes non-voyantes peuvent l'utiliser aussi parce qu'on peut accrocher les luges, donc avoir un duo voyant-non-voyant. Et puis si vous avez par exemple une personne qui est vraiment tétraplégique, à ce moment-là on peut faire une chenille, une luge avec une personne devant qui utilise ses bras, la personne tétraplégique au milieu et la troisième derrière. Et vous avez comme ça une petite chenille qui permet de se déplacer. La Handiluge était présentée vendredi dernier à la patinoire des Trois Seines en présence de François Barouin. Il faut dire que ce projet est un partenariat local. Développé à l'UTT, la luge est produite par la société Rotoplus, implantée en Ardennes. Sous le parrainage de Zoé Blanc et Pierre-Loup Bouquet, champion de France de danse sur glace, la fondation Transdev s'est investie dans le projet et a financé la production de trois luges offertes à des associations troyennes, Handi Valide, le club handisport troyen et le club de patinage artistique de Troyes. Nous avions déjà travaillé avec une association locale qui s'appelle Handiquad Solidarité, qui connaissait M. Romer donc de l'UTT, le concepteur de l'écoluge, qui l'a vivement recommandé auprès de nous, auprès de la fondation Transdev, pour présenter ce projet qui correspondait entièrement aux souhaits de la fondation de développement en faveur des personnes, entre autres, à mobilité réduite. La luge est en plus une écoluge, elle est entièrement démontable pour permettre son transport, mais aussi, plus tard, son recyclage. Ne reste plus qu'à inventer un système pour s'y installer.